Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Premier jour de solde. Et oui, j'attends ce jour-là avec grande impatience. Et j'ai pu faire quelques boutiques ce matin. Alors, les grandes surfaces classiques comme Auchan, Carrefour, Leclerc, Cultura. Voilà, ce type de magasin. Et j'ai pu me faire plaisir. J'ai trouvé quelques trucs bien sympathiques. Alors, tout d'abord, on va commencer par les figurines Amiibo. Ça faisait vraiment plaisir. Il y avait quelques Amiibo soldés. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté la collection. Bah parce que tout simplement c'est un budget et puis 15 euros c'était assez important, mais quand j'ai l'occasion d'en trouver pour pas cher, et eh ben voilà, c'est chose faite, je les achète. Donc là j'ai le Inkling Boy et le Girl, très très sympa. Bon, faut juste que j'enlève ça, tout simplement les petits autocollants, je vais les garder scellés. J'aime beaucoup la collection d'Amiibo scellés, je trouve que le packaging est très très beau. Donc deux que je n'avais pas dans la collection, et le troisième, ah celui-ci il fait super plaisir, le Ice Climber, très très sympa, il est magnifique, regardez-moi ça. Donc tout ça pour 5 euros pièce, je trouve que c'est un très bon prix pour des amiibo. On va rester toujours sur sur des coffrets, le petit coffret trouvé chez Cultura pour voilà 70 pour 60 centimes. Ça va compléter la collection de Wii U. Donc à l'intérieur il y a le micro, voilà, ici il y a le micro, le jeu qui n'est pas scellé. Bon, ça c'est pas grave, ça peut arriver souvent dans les, et puis ici bah, visiblement la notice, voilà, ça arrive souvent dans les bundles que bah, les jeux ne sont pas scellés, souvent c'est des versions européennes, voilà, tout simplement. Enfin, en tous les cas, voilà, il rentre, il va compléter la collection de jeux Wii U pour 60 centimes, c'est cadeau. Celui-ci, je suis très content de l'avoir mis la main dessus. En plus, c'est la version Switch, c'est cette version-là que je recherchais pour un tout petit prix. Avec la figurine que vous voyez ici Fox McCloud. Donc ça, c'est vraiment chouette, le vaisseau est très très joli. Et puis, pour un peu plus de 3 euros. Je pouvais pas passer à côté. J'ai longuement attendu pour le voir à un très bon prix. Et là, c'est chose faite. 3 euros. Alors, je crois qu'il y a eu une déstock à Micromania pour 0 euros. Je crois qu'ils le donnaient. Mais je suis pas sûr que c'était la version Switch qui est, on va dire, entre guillemets, un peu plus difficile à trouver, un peu plus recherchée. Même s'il était déjà en bonne affaire à 10,77. Bonne affaire que j'ai pas capté sur le moment, parce que sinon je l'aurais peut-être acheté à ce prix-là. Enfin, à 3 euros, c'est incroyable. Comme quoi, de temps en temps, d'attendre un petit peu, ben, ça vaut le coup. Allez, sur du PS4, et là, je me suis fait plaisir, des super titres sur PS4, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, le Vampire. Alors, celui-là, il a l'air exceptionnel. Il a l'air super sympa, les graphismes sont très très beaux. Le Bloodstained Ritual of the Night, donc ici c'est à 9 euros, lui aussi pour 9 euros. Ah, celui-là, j'ai hâte. Alors je l'avais acheté, je l'avais trouvé en promotion, on va dire, enfin une petite promotion, je crois que j'avais payé ça 15 euros, 20 euros. C'était pour l'avoir sous-scellé. Ben, maintenant j'ai la version. J'ai un exemplaire pour pouvoir y jouer. Le Injustice 2, alors c'est le Day One Edition. Je trouve qu'il est magnifique avec un steelbook. C'est très très joli. Et le fourreau, vraiment, c'est très très sympa. Puis les personnages derrière là sont topissimes, quoi. Regardez comment il est beau ce jeu pour 9 euros, un tout petit prix. Le Uncharted 3, l'illusion de Drac Remastered pour 4 euros, excellent prix aussi. Le Samurai Shadown de SNK. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, waouh, magnifique. Ça fait plaisir. Là aussi, un jeu que je voulais avoir dans la collection pour 9 euros, un tout petit prix. Alors, on va attaquer quoi maintenant? Allez, on va faire un petit peu de DS. Alors, bon, DS, c'est rien d'exceptionnel, mais des petits prix. Donc, le Metroid Fédération Force à 2 euros. Ah, si, celui-là, ah, celui-là, il fait plaisir dans la collection. En plus, en scellé, ça, c'est vraiment cool. Le Terraria. Voilà, donc, je sais pas si je vais pas le garder sous blister. Il est magnifique pour 2 euros, un excellent prix. Le Chibi-Robo à 1 euro. C'est cadeau à 1 euro, Chibi-Robo. Le Dillon's Dead Heat Breakers. Pourquoi pas l'ouvrir celui-ci, parce que j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il vaut. Ça a l'air d'être un jeu de course un peu spécial. Et enfin, le Picross 3D Round 2 à 1 euro. Voilà, des excellents titres quand même. Enfin, des titres qui sont pas mauvais sur la 3DS. Et enfin, on va terminer par tout simplement la Xbox One. Pas mal de promotions aussi. Le Transformers Deviation à... Ça fait quoi ça 17, 4 euros, quelque chose comme ça.
À peu près, ouais, un peu plus, ouais, à peu près 4 euros. Très très sympa, celui-là, ça me fait vraiment plaisir. Le Borderland, très cool. Regardez-moi cette jaquette, elle brille un petit peu, c'est très très sympa. Pour 6 euros, excellent prix. L'Ultimate Edition, le Rocket League, waouh, magnifique aussi. Pour 9 euros, petit prix. Le Kingdom, comme soit, je crois qu'il n'est pas extra. Mais bon, hein, pour 3 euros, ça valait le coup. Et enfin, Agony. Agony, qui a l'air plutôt sympa, même si il a eu de très très mauvaises critiques, ce jeu. Pourtant, moi, je trouve que ça a l'air assez sympa. C'est un espèce de survival horreur ou super horreur. Pour 3 euros, voilà, d'excellents prix. J'ai terminé cette série, enfin c'est les achats d'aujourd'hui, hein, on va dire de ce matin. Donc pas mal de petites choses pour des bons prix, hein, je trouve vraiment pour moi. Alors le jeu qui m'a vraiment fait plaisir, ça a été le Terraria à 2 euros. Et évidemment, si je dois en sélectionner deux, le Bloodstained à 9 euros. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, allez. Ciao, ciao!